Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Premier ministre pays, Joseph Jout, visite Côte des Acadiens pour vous regarder l'hôtel pour capable voir comment vous reprendre l'activité dans la zone ça. C'est information ça nous porter pour avec plaisir l'autre. Si c'est la première fois visiter nous, information nous partager intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombad Mediana là. Bien nous va pas perdre temps. N'a commencé. Cool yeah. Moi depuis au téfermé, plusieurs patrons dans secteur hôtelier dans pays là et spécialement sous côte acadien commencé travail pour reprendre activité yo. Dans l'idée pour accompagner et puis ouais ensemble mes qui prend pour réouvrir secteur ça, y a une délégation qui gagne en tête li Premier ministre Joseph Jout, Gakli ministre touriste là Myriam Jean, ministre justice et sécurité publique là Rockefeller Vincent et plusieurs autres autorités dans l'état visité côte acadien vendredi 31 juillet. Dans quatre visites ça, délégation a visité Wau Bay, Ocean View, Wanga Bay, Royal de Cameroun. Après visite yo, numéro imprimatia rencontré et puis discuté avec représentant association hôtel d'Haïti et puis plusieurs responsables plage à hôtel sous côte acadien. Ma travail tout soit aspect sécurité là. Sorti Port-au-Prince, lui veut venir dans l'hôtel parce que le tourisme c'est un produit que nous avons vendu. Et mis à part de l'autre produit, bien tant que produit agricole ou bien produit artisanal, mais le tourisme c'est un produit qui cher. Nous avons un bel pays comme ça, nous ne sommes pas capables de quitter le monde, pour empêcher que le monde vienne prendre plaisir dans le pays, pour empêcher que le monde vienne dans la plage, pour empêcher que le monde vienne dans vacances. Et c'est pour ça que ma plan c'est un appel à la diaspora haïtienne pour continuer. Investir dans le pays, continuer à faire confiance à le pays et continuer à visiter nous tous. En plus, l'économie nationale là, réouverti hôtel à plage après lancer dans le pays, l'IPRAL permet secteur touriste là retourner fonctionner normalement selon ministre touriste là, Myriam Jean, qui expliquait ensemble mesi responsable hôtel à plage de respecter. Le ministère du tourisme avec l'association Europe mène en campagne pour y avoir un sticker que déposé dans l'hôtel qui est visible par tout client. COVID safe, là ça on connaît que gon inspection qui fait et moun nan adhéré à protocole là et protocole là a pas fiché tout devant lobby ou bien un bus touristique, un taxi, l'a pas fiché là-dedans tout. Nous déjà rencontré toute association de transport yo, nous tout opérateur, hôtel yo, tout monde yo déjà imbu et impliqué. Yo t'ai impliqué tout dans élaboration document ça. Après les fin chita discuté avec concerné yo dans secteur a, Premier ministre Joseph Jout visité plage Calico. Ensemble travail cap exécuté dans espace ça cap gain pour porter non chaîne hôtel Hilton a privé dans bout li dans mois décembre 2020. Il y a environ 2 mois, l'état haïtien découvrit une autre supercherie. Ou l'autre machination que le victime de la part de cette même compagnie, savoir l'État haïtien qui était confié à la Sogener, Varo 1 et Varo 2, pour le gérer et ensuite faire fonctionner et pour vendre l'État courant. Et ceci à partir d'un contrat signé entre les deux parties. Il se trouve que l'État vient constater, de découvrir que la Sogener, équipement ça a eu, que l'État te bali pour faire fonctionner et vendre le courant, monsieur Damio prend équipement ça. Yo bail y un gage à la Banque nationale de la République d'Haïti, c'est-à-dire yo hypothéqué yo vous avez les langages communs, yo plané li et yo prend une forte somme d'environ 20 à 30 millions de dollars. L'État au courant du bagage dit mais écoutez-moi, c'est quoi ça? On pas capable baou des équipements pour faire fonctionner et que pour vendre mon courant. Et ceci sur la base de contrat. Quand on dit contrat, c'est que tout ça que vous avez pour faire, tout ce que vous avez pour faire, dans le contrat, ça, sans mon autorisation,
ou aller ou hypothéquer donc matériel ça et pour la chance. Immédiatement l'état dit écoutez, il reporte plainte pour escroquerie pour machination parce que ou pas le droit faire bagarre comme ça. L'état porte plainte devant le parquet. Le parquet, une fois saisi de cette plainte, de cette nouvelle plainte, pour ces nouveaux faits, ça a été bien établi pour tout le monde. Il y avait un premier dossier sur facturation, faux usage du faux, sur facturation pour 123 millions de dollars, qui devant l'autre juge. Mais ça, c'est l'autre dossier pour escroquerie caractérisée et autres, parce que monsieur a hypothéqué des biens de l'État qui est insaisissable, que vous prenez l'argent sur lui, ça que vous n'avez pas autorisé pour ça. Dossier ça arrive dans le parquet. Le commissaire gouvernement alors il analyse le fondement dossier, fait, eh bien, il mettait le réquisitoire déformé sur lui. Ce dossier a été transféré au cabinet d'instruction. Le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince chargé de la distribution des dossiers, il distribue le dossier ça, bail, un juge qui s'appelle le juge Mathieu Chalat. Juge Mathieu Chalat, qui ça le fait, lui-même, lui prend le dossier, lui analyse, lui relève l'État comme pliant. L'État à travers la direction générale des impôts, le directeur général des impôts, il vient expliquer la situation, il vient dire clairement pour juge d'instruction que, en aucun cas, monsieur n'a pas de droit pour aller aliéner bien l'État, ça, pour aller planer, pour aller bailler en gage pour prendre l'argent. Le juge a dit très bien. Le juge a relayé les responsables de la BNC. Pour vous dire, est-ce que c'est vrai, nous t'avons accompagné ça, hein? Et que pour nous, pour soublier ça, qui pour l'État, par où un, par où deux, équipement ça. Hein? Les responsables de la BNC ont répondu par l'affirmative. Judas dit, ok. Judas convoqué Mounsayo, responsable compagnie. Hein? Ils n'ont pas venu, ni par eux-mêmes, ni par avocat. Aucune excuse, ils n'ont pas venu du juge, hein, d'après ça nous connaît. Eh bien, le juge là qui ça le fait. Pendant qu'il a continué à faire instruction, hein, la loi balle droit ça. Code d'instruction criminelle la balle droit ça. Il dit, mais ok, balle poser des actes préparatoires pour éviter que ces fonds qui ont été donnés à cette compagnie sur la base de ces matériels, qui n'ont pas été subtilisés, eh bien, le juge là, lui ordonné la saisie conservatoire, car il a été dit scellé, non. Le juge n'a pas ordonné la position des scellés. Il a ordonné la saisie conservatoire de ses biens, de ses résidences, de ses meubles et effets, etc. Provisoirement, en attendant que l'approfondie enquête. Concours côté que nous mettons à l'honneur jeune, d'ailleurs, il faut avoir moins de 25 ans pour participer là-dedans. À moins de 25 ans, nous différence qui gagne dans le concours, c'est que au besoin d'une grande poésie, mais une poésie qui est basée sur le thème, là, soleil, la vie. Si je l'écrivais ça, aussi, nous avons une plateforme pour évoluer, la très difficile pour eux. Quelle plateforme que nous offrions un concours poésie. Un concours poésie, côté que, il y a écran poésie, il y a l'hypoésie, il y a filmé tête, il y a utilisé vidéo ça, il y a fait, il y a voulu pour nous à travers de email et concours, que nous allons faire tout à l'heure. Lorsque nous email là, nous-mêmes, nous allons faire série ça, tourner en série d'émissions. Passons pour participer. 1. Inscription en gratis, vous parlez de vous payer comme inscription. Vous seulement dans l'email adresse là, que vous pouvez mettre sur l'écran là pour capable voir la vidéo. La vidéo va se poser plus que 3 minutes. Et la vidéo, j'ai déjà dit, et lecture à
j'en exprime mon son l'autre façon d'agir sous caméra, son l'autre en essayant de vendre tête le plus que possible. Et puis, premier prix, hein, c'est ça qui est important, c'est 250 000 gouttes. Et puis, avec un lot de livres et de la part de DNL, et puis avec un laptop pour premier prix. Deuxième prix, c'est 150 000 gourdes, on le livre avec une tablette sur table. Troisième, là, 100 000 gourdes, on le livre avec une tablette sur table. C'est une façon pour encourager les jeunes, puis on produit plus. Qui s'abri au haïtien du droit d'auteur entré dans la question, et avec un pile bonheur d'ailleurs, c'est que les jeunes, il a fait ça, de jeunes créateurs, de jeunes poètes, et puis il a habité par la question du droit d'auteur. Parce que la question du droit d'auteur est transversale à toute bagaille, tout ça a fait à protéger, à la fois texte là et vidéo. On a demandé aux jeunes pour venir enregistrer texte, pour lire sous et dans le bureau haïtien du droit d'auteur, enregistrer film dans tout, parce que ou ont plusieurs droits d'auteur qui rencontrent dans l'enregistrement, ou ont film dans lui-même, et ou ont texte là, et diffusion ça y est, pour aller évidemment rapporter au l'argent, parce que depuis venir enregistrer dans le bureau haïtien du droit d'auteur, bureau haïtien du droit d'auteur, pour aller facturer télévision nationale pour vous, à chaque fois et au passé, pour ça gagner des redevances, c'est ça qui droit d'auteur a. Donc lorsque Kokusa lorsque nous avons une invitation autour de TNH, donc nous devons penser que DNL t'a dû impliquer pour permettre que Kokoua voyage sur tout le territoire. C'est pour permettre que des mondes, parce que nous avons un réseau qui est extrêmement solide, qui c'est les CLAC, que déjà, moi-même, c'est une priorité, déjà, le vin de la direction nationale du livre, c'est revaloriser CLAC et réhabiliter structurellement, mais aussi en termes de potentialité. Et pour des jeunes, parce que quelque part, Clakio, c'est ça là pour yon fait, pour yon mener les vieux en province, pour yon mener des loisirs tout, et ça fait des animations, pour yon mener tout, divers divertissements pour des jeunes, des plus jeunes, ça veut dire des enfants, c'est ça qui fait nous gagner des espaces de lidothèque dans Clakio. Donc, à travers Clakio, DNL déjà a mobilisé ensemble d'animateurs. Donc déjà nous-mêmes personnellement nous choisissons un petit frais pendant qu'on croit. Donc ça veut dire que ça c'est une gros démarche parce que c'est eux-mêmes qui bralent à travers section communale, à travers de l'école et peut-être ses voisins de l'école, même si l'école n'est pas ouverte. Donc ça permet de sensibiliser. Pendant 6 mois, il fait observation, fonctionnement, la justice. Dans Port-au-Prince et dans Croix-des-Bouquets, dans deux juridictions ouest, Port-au-Prince et Croix-des-Bouquets. Et dans ça, on peut observer, il observe le fonctionnement du tribunal, il observe la violation de l'homme qui passe là-dedans, et il observe, il fait des propositions pour améliorer. Tu as gagné 6 avocats qui étaient chaque jour dans 4 tribunaux de paix, dans 2 parquets, dans 2 tribunaux en première instance et dans le cabinet d'instruction. Et pendant ce temps-là, ils ont recueilli 476 formulaires avec des données d'informations et ils ont recueilli dans le greffe tribunal de Port-au-Prince, j'ai remarqué que tu as 694 appels qui ont enregistré pour l'année de janvier à juin 2020 et ont enregistré 1564 interventions pénales qui fait de nouveau 4 tribunaux de paix. Ce qui veut dire autre monde a arrêté, autre monde qui a cherché mandat, autre monde qui prend invitation, autre monde qui vient voter plein. C'est 1564. Mais nous disons que donner ça y est partiel. Ça veut dire, pendant qu'on est dans le tribunal là, le juge a le droit de remettre un autre mandat ou pas combien. Puisque le registre va central, bon côté qui manquait, compiler toutes données ensemble. Ce qui veut dire que il y a certaines données, nous payons toutes, nous gagnons partiel. Ensemble, on va mettre sur un forme de contrôle plus systématique qui nous fait. Ni le ministère de la Justice, ni CSPJ, il faut que nous mettions des structures, il faut que nous mettions des moyens pour que systématiquement nous contrôlions comment il y a fait, comment le travail a fait. Il faut un bon budget, parce que le budget de la République va prévoir 1%, c'est moins que 1% qui pour la justice. Il faut un bon budget pour la justice. Il faut que chef de juridiction responsable, responsabilisé, juge, commissaire, juge,
de père titulaire, commissaire gouvernement, doyen, responsable pour visiter prison régulièrement pour réduire l'intervention préventive. Pour un mandat 4 l'année, Julie Droit-Pierre pas entendre servir comme agent exécutif intérimaire si élection pour remplacer pas fait dans temps la loi fixée. Une décision pouvoir central là pas fait cas, l'elle décide nommer président commission communale Kafoua dans un arrêté présidentiel dans commencement mois juillet. Toujours dans objectif pour qu'embé parole li vendredi 31 juillet, Julie Droit-Pierre dans cadre d'une cérémonie t'est paré pour remettre démission là un groupe militant débarqué et puis mandé tourner sous décision. Nous ne pouvons pas penser à qui ça maintenant. Depuis après deux heures de décennie, pas de qui va raison, qui a fait nos communes. L'homme est culturellement dans le channel. L'homme est culturellement dans le channel. C'est un monument historique. C'est pas pour chier des douanes. C'est pas pour chier des douaniers. C'est pour population Kafoua. Mais il va mettre tête lui. Avec un responsable, toute organisation Kafoua, la banque pour aller arrêter. Nous allons travailler comme une. Pour qui ça nous va faire démissionner? Parce que la fête pour travailler en commune. Mon café pour travailler, pas qu'à la démission. C'est pas mon Kafoua qui m'a demandé pour magistrat de démissionner. C'est deux ou trois mouns nous capables de contrôler qui t'a aimé remplacer magistrat Jules. Le peuple a dit non. Citoyen a dit non. Moun Kafou dit non. Moun Kafou dit non parce qu'on ne doit changer une équipe qui gagne. On ne change jamais une équipe qui gagne. Comme dit le fort souvent. Moi même si j'ai pas de bombe, pas là. Décision pour remettre démission l'envie tout, d'après Jules Edouard Pierre, à cause d'un pile promesse campagne n'a pas réalisé, avec blocage de joint divers côtés. Pays loc, incompréhension bon côté, plusieurs instances dans le pouvoir central là, c'est quelques parmi points qui te motivé décision ça. Vous faites 4 ans, ou pas qu'à fond projet. Pays loc, presque 20 mois de stabilité politique. Moun pas, paye taxe. Pour l'engagement au plan dans le projet, pas qu'à respecter. Nous reconnaissons que nous te dit, nous pas d'accord, chambardement. Il n'y a pas fait aucun sens démocratique que ou une source de légitimité populaire par une décision politique, nous venons une source de légitimité totalement inféodée à un pouvoir exécutif. Mais ça étonne même que la population, l'opinion publique là, pas plus ouais, aspect ça, que la collectivité qui est tous habité, regardez l'État devant la marine, regardez l'État Corso, regardez l'État Vieux Fouade, regardez l'État Mredi, Machéo, mais tout ce côté magistrat, ma goumé avec DGI, nous changer la loi sur fiscalité pour me faire compte pour me changer bagage ça. Je ne vais pas faire, monsieur. Pour qui ça nous voulait pour nous aider pour nous faire qui ça? Si dans le mois juillet 2016, Gilles Edouard Pierre t'es prêt à investir dans la tête Mary Kafou à côté Maxo Boudou et puis d'Aline Joseph. Militant, dans l'occasion, Gilles Edouard Pierre t'a tenté de remettre démission là, manifester dans l'entourage Mairie et puis bouler caoutchouc pour exprimer collègue avec décision. Voilà. Et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son babes a chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.